Bonjour, Sénat. Bonjour, c'est d'abord. Chers entrepreneurs, distingués invités, bonjour et bienvenue. Nous voilà à nouveau réunis pour ajouter un volet important dans l'édification d'un nouveau type d'entrepreneur dakarois. Un entrepreneur compétent, formé, outillé pour gérer une compagnie fiable, durable et pérenne. En plus de l'accompagnement technique qui est offert par la couveuse d'entreprise de la ville de Dakar et l'École des entrepreneurs du Québec, des formations webinaires sont également offertes aux entrepreneurs pour renforcer leurs capacités, notamment en communication, en développement personnel, etc. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce webinaire. Vous vous êtes sûrement demandé un jour pourquoi une carte bancaire est utilisable dans pratiquement partout dans le monde, pourquoi les voitures ont les mêmes symboles sur leur tableau de bord, et ce, qu'elles soient japonaises, américaines ou allemandes, et pourquoi les jouets des bébés ne sont jamais pointus. Eh bien, c'est parce que leur fabrication ou leur conception est encadrée par des normes. Et là, ce ne sont que quelques exemples qui vous montrent que les normes vous concernent directement. Chers entrepreneurs, saviez-vous que 98% des entreprises certifiées jugent qu'il s'agit d'un bon ou d'un très bon investissement que d'avoir des normes, selon une étude des Nations Unies. Saviez-vous que les normes peuvent vous offrir de multiples avantages en augmentant la confiance et la satisfaction des clients, en stimulant l'innovation et en vous ouvrant des portes pour l'exportation? Tout au long du webinaire, nos experts ici présents nous diront comment créer de la valeur pour votre entreprise à l'aide des normes. Permettez-moi de vous les présenter. Madame Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du réseau Normalisation et Francophonie. Elle est avocate et titulaire d'un MBA et d'une maîtrise en droit dont l'essai porte justement sur l'intérêt de la norme pour les entreprises et la protection de l'environnement. Monsieur Hassan Beng, chef de projet normalisation à l'Association sénégalaise de normalisation. Il est aussi secrétaire du comité électrotechnique national du Sénégal. Au niveau communautaire, il est le secrétaire du comité d'harmonisation des normes de la CEDEAO dans le domaine des TI. Au niveau régional, il est membre du comité d'évaluation de la conformité de la Commission africaine de normalisation électrotechnique. Bon, je vais vous présenter également le déroulé. À tour de rôle, Madame Drouin et Monsieur Mbeng aborderont les aspects suivants. Connaissez-vous les normes? C'est quoi une norme? Pourquoi utiliser les normes dans votre plan d'affaires? Comment utiliser les normes et qui peut vous aider? Une période de questions est prévue après chaque bloc. Et nous vous invitons fortement à poser vos questions sur le chat. Un quiz est également prévu. Pour que l'activité se passe de façon conviviale, dans le respect et le respect de ce qui est devenu notre vie, le virtuel, nous vous suggérons fortement de mettre vos micros sur mute. Marie-Claude, tu as la parole. Ah, merci, merci Sénabou. Alors, merci pour cet accueil. Alors, Hassan et moi, on est très, très heureux de faire votre connaissance, c'est ça, de façon virtuelle, mais bon, ça a quand même du bon parce que peut-être qu'on se verrait moins souvent si on n'avait pas les Zooms. Maintenant, on aura deux options dans notre monde futur, les Zooms et la réalité.
Alors, notre objectif à Sam et moi, c'est vraiment aujourd'hui de ne pas faire de vous des spécialistes de la normalisation, mais de vous donner un coup de projecteur sur ce que les normes peuvent vous apporter dans votre entreprise pour réveiller votre curiosité. Et je sais que vous êtes à construire toutes et tous vos plans d'affaires. Donc, l'idée est vraiment de faire germer en vous. En fonction de vos différents domaines d'activité, parce que là, j'ai pu nommer là, que c'est voir que c'est très diversifié. On a de l'agro, transformation des produits de la mer, recyclage, stylisme, événements, emballage, télécom. Évidemment, nous, on va parler de façon générale de la normalisation, mais l'important, c'est que vous ayez des idées sur qu'est-ce que la norme peut vous apporter. Et comme Sénabou le dit, n'hésitez vraiment pas à poser les questions dans le chat. On est là pour ça et on sera très généreux de nos commentaires. L'objectif, c'est qu'on ait du plaisir ensemble pour la prochaine heure et demie. Donc, je vais vous partager mon écran. Je partage l'audio. Je partage. Voilà. Est-ce... Non, vous ne voyez pas le bon écran. Voyez-vous le bon écran? Oui. Oui, OK, merci. Alors, c'est parti. C'est d'abord, vous a dit le plan de présentation. Je vous le répète rapidement, c'est assez simple. On y va dans le B.A.-BA. Connaissez-vous les normes? C'est quoi une norme? Pourquoi utiliser les normes dans vos plans d'affaires? Et comment utiliser les normes? Puis qui peut vous aider? Les grandes questions. Alors, rapidement, une courte présentation du réseau normalisation et francophonie, le RNF. Notre objectif, c'est de favoriser l'essor de notre francophonie économique au moyen des normes comme outil de développement économique durable. Alors, les normes dans notre économie, puis vous allez le voir aujourd'hui, ils ont deux clés d'action. La première clé d'action, c'est que ce sont des outils d'intelligence économique qui nous servent à diffuser les règles de l'art et les bonnes pratiques auprès des entrepreneurs, des consommateurs, des pouvoirs publics, etc. Ça nous permet aussi d'accéder au marché parce que sans produits et services conformes, on ne peut pas accéder aux grandes chaînes de valeur internationales. L'autre point qu'on va aussi explorer aujourd'hui, c'est que les normes, ce sont des outils de diplomatie économique. Vous allez le voir, je le répète souvent, qui fait la norme fait le marché. Alors, c'est important de porter sa voix dans les travaux de normalisation nationaux, régionaux, internationaux. Et c'est possible. Alors, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui pendant la formation. Le réseau normalisation et francophonie, on regroupe essentiellement les organismes nationaux de normalisation des pays de l'espace francophone. Il y en a un par pays. Vous en avez un au Sénégal, mais je ne vous dis pas tout de suite c'est qui parce que ben, vous le savez, en fait, c'est une question du quiz, mais je vous donne la réponse tout de suite. C'est l'Association sénégalaise de normalisation. Alors, il y a une Association sénégalaise de normalisation dans chaque pays, y compris au Québec. On a le Bureau de normalisation du Québec et ce sont eux nos membres, mais c'est avec eux qu'on crée un portefeuille de projets pour accompagner les entrepreneurs pour qu'ils incorporent les normes pour promouvoir la normalisation, pour favoriser la participation des pays dans l'élaboration des normes et de ce fait, promouvoir la langue française dans les enceintes internationales. Alors voilà pour le réseau normalisation francophonie. Des questions d'entrée de jeu, Sénabou? Est-ce que tu avais des questions? Pas encore, chers entrepreneurs, participants, est-ce que vous avez des questions concernant le premier bloc? Donc, on a deux OK. choix, soit que les gens sont gênés ou ça avait le mérite d'être clair. C'est selon. J'opte pour le deuxième. Alors, allons-y droit au but. Connaissez-vous les normes? Voilà. Je vais d'abord vous présenter une petite vidéo. Humans have come far in making our dreams into realities, and the journey continues. We are pushing the boundaries of what we thought possible to solve problems with creativity, perseverance, and collaboration. Because our greatest achievements are never the effort of one person. But to work together,
We need to understand each other. It's a core team, 2 days of 150 people. They shared the information based on standards. Without these, we would never have been to understand each other. To build on yesterday's accomplishments, to create the innovations of today and tomorrow. Standards will help, especially developing countries, to grow more with less. To exchange knowledge, to make things compatible. ISO is very important for promoting the new designs. We couldn't have done it without ISO. ISO standards are the solid base, the common language that humanity can rely on. ISO, great things happen when the world agrees. Beaucoup de messages dans cette petite vidéo de l'ISO. J'aurais dû le souligner d'entrée de jeu, j'ai oublié de le faire. Vous avez vu que la langue était le français, sous-titré la langue était l'anglais, pardon, sous-titré en français. J'en profite pour souligner que c'est effectivement une réalité à laquelle nous sommes confrontés, les pays francophones, parce que la langue de travail à l'ISO, c'est l'anglais. D'où l'importance d'avoir un réseau normalisation et francophonie fort pour être en mesure de s'aider mutuellement à porter notre voix dans cet espace de normalisation qui travaille en anglais. On trouve toutes sortes de moyens avec de l'interprétation, de la consultation, de la mutualisation de ressources. Donc, on tente de faire en sorte que la barrière ne soit pas une langue et de plus en plus, nos jeunes diplômés sont bilingues, donc ça nous aide à faire notre place dans ce grand monde de l'ISO. Alors, sans plus tarder, je passerai au quiz pour savoir, une fois que vous avez vu cette vidéo et que vous avez déjà vos connaissances de part et d'autre sur la normalisation, vous en êtes où dans votre connaissance, dans vos connaissances normatives? Alors, Hassan, je te passe la parole et Siré, à toi la manette pour passer le quiz. J'arrête mon partage d'écran. Alors, partage d'écran, arrêté. Voilà. Merci, Marie-Claude. Nous allons, d'un moment à l'autre, diffuser les quiz. Donc, Siré, je ne sais pas, voilà. Alors, ça, c'est des questions qu'on va poser concernant la connaissance des normes. Donc, la première question est la suivante. Les normes ISO, leur contenu, les exigences ou spécifications qu'on y trouve sont développées par les employés de l'ISO. Est-ce que ça, c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que c'est les employés de l'ISO qui élaborent les normes? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est les normes sont-elles d'application obligatoire ou volontaire? Excuse-moi, si tu permets, je pense qu'il faudrait peut-être dire aux gens de cliquer sur les réponses. Exact. Donc, sur les questions qui s'affichent sur votre écran, donc vous avez la possibilité de choisir la bonne réponse. Et comme ça, au finish, on aura les statistiques sur les réponses qui nous ont été communiquées. Donc, pour la deuxième question, c'est les normes sont-elles d'application volontaire ou obligatoire? Donc, il faut choisir la réponse. Pour la troisième question, les normes soutiennent-elles l'innovation? Donc, la quatrième question, donc, combien y a-t-il de normes ISO publiées? Donc, est-ce que c'est 5 000 normes, 11 000 ou plus de 23 000? Pensez-vous avoir le droit de participer aux travaux de normalisation ISO? Vous rendre dans une réunion de groupe de travail pour développer une norme? Donc ça également, il y a des questions, des réponses qui sont proposées. Il faut juste choisir la bonne réponse. Et pour la sixième question, c'est les normes sont-elles uniquement pour le bénéfice des grandes entreprises? Est-ce que c'est uniquement les grandes entreprises qui doivent utiliser les normes? Et la septième question, choisir la bonne réponse. La norme ISO 9001 que nous connaissons très bien, qui est la norme phare du système de management de la qualité, elle définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Elle s'applique uniquement aux organisations commerciales pour fournir aux clients des produits et services uniformes et de bonne qualité. Est-ce que c'est ça la réponse? Ou bien cette norme ne s'applique qu'aux organismes du secteur public? Donc on parle de la norme ISO 9001. Ou bien est-ce que la norme ISO 9001 peut s'appliquer à toute organisation, grande ou petite, quel que soit le domaine d'activité. Donc, pour la huitième question, c'est connaissez-vous le nom de votre organisme national de normalisation? Donc,
comme vous le savez, dans chaque pays, il y a un organisme national de normalisation. Au Sénégal, quel est l'organisme national de normalisation? Utilisez-vous une ou plusieurs normes ISO, ASN, par exemple, les normes qui ont été publiées par l'association, par l'ASN, dans votre vie quotidienne ou dans votre entreprise? Et enfin, la dernière question, les normes sont-elles gratuites ou payantes? Donc, en résumé, ça, c'est le petit questionnaire qu'on vous a soumis, que vous allez essayer d'apporter les réponses. Donc, Marie-Claude, c'est ça, les questionnaires. Merci. Comment on fait pour cliquer sur les réponses? Moi, je ne suis pas capable. Je vois d'abord des réponses. Hein? Oui, je vois qu'il y en a qui le font, mais... Bon, ils ont commencé à voter? Oui, j'ai vu des réponses. Oui. Nous sommes à 25%, 26%, ça évolue. Puis moi, je n'ai pas le droit de répondre, c'est ça, Siré? Si, vous pouvez voter. Ah oui? Bien. Puis on fait comment? Vous n'arrivez pas à faire. Ah, c'est parce que je suis animatrice. OK. Ah oui, oui. Moi, j'ai les réponses, alors je n'ai pas le droit. Merci, Stéphane. Bon, ça avance. Ça avance, oui. Oui. Les normes soutiennent-elles l'innovation? Certainement. Oh, je vois qu'on a quand même des connaisseurs. Oui. Donc, on a 20 personnes ont déjà voté sur 52. On laisse encore une minute et après on met fin au sondage et on regarde votre, l'état des lieux. On est à 22, 23 maintenant. Allez-y, essayez d'apporter des réponses. Alors, ceux qui nous regardent sur Facebook, je pense que vous avez pas le... Ils peuvent pas voir le sondage. Vous pouvez pas, ils peuvent pas cliquer dessus, mais ils le voient. Donc, ben, on vous invite vous aussi à faire vos propres réponses. Non, en ce moment, ils ne regardent pas le sondage. Mais après, d'accord. Ils vont voir la publication. C'est ça. Donc, c'est nous uniquement qui avons accès au sondage, aux résultats. Ah, d'accord. Bon. Je ne suis pas encore très familière avec les Facebook Live. Bonjour à tous. Je n'arrive pas à soumettre. On met fin au sondage? On regarde les réponses? Hassan, toi, tu vas nous donner sondage, les bonnes réponses? Je n'arrive pas à soumettre. Vous n'arrivez pas à soumettre. Peut-être que vous vous êtes connecté quand on a déjà lancé le sondage, mais ce n'est pas grave. Parce que le sondage prend en compte les 53 personnes, les 53 participants qui étaient là quand on venait de lancer. Mais en ce moment-là, nous sommes à 58, mais ce n'est pas grave. On est actuellement à 26 réponses sur 52, donc c'est la moitié, 27 maintenant. Donc, plus de la moitié des participants ont déjà apporté des réponses. Donc, on met fin au sondage, puis on donne les bonnes réponses, Hassan? Oui, on peut arrêter là. Cyril. D'accord. Voilà. Hassan, je te laisse commenter. Je partage. Alors, pour la première... Je partage les réponses. Partagez d'abord. Est-ce que là, tout le monde voit les réponses? Oui, moi, je les vois. Pour moi, c'est bon. OK, d'accord. Donc, pour la première question, les normes ISO, leur contenu, les exigences ou spécifications qu'on y trouve sont développées par les employés de l'ISO. Alors... Euh, 30% des réponses qui ont dit vrai. Alors, la plupart, ils ont dit que c'est faux. Donc, la bonne réponse, c'est faux. Donc, là, il y a une bonne partie, la majorité a trouvé la réponse. Pour la deuxième question, les normes sont-elles d'application obligatoire ou volontaire? La bonne réponse, c'est les normes sont volontaires, sont d'application volontaire. Mais moi, bon. Je vais vous dire que ça dépend. Ça dépend également. Pour les gens qui ont répondu obligatoire également, ça dépend. Pour des environnements civilisés, la norme doit être une obligation.
Absolument. C'est un entendement entre entités, mais ça fait force de loi, normalement. Alors, c'est ça ce qui est souhaité. C'est ce qui est souhaité. Et je crois que Marie-Claude va tout à l'heure revenir sur la différence entre les normes volontaires et les normes obligatoires. Mais du point de vue de l'approche normalisation, donc, par essence, les normes sont d'application volontaire. Donc, Marie-Claude va revenir tout à l'heure sur quand est-ce une norme peut être d'application volontaire et dans quelle mesure les normes pourront être d'application obligatoire. Pour la troisième question, les normes soutiennent-elles l'innovation? Bon, là, par contre... Alors, la bonne réponse, c'est certainement. Les normes soutiennent bien l'innovation. Donc, il y a une bonne partie qui a trouvé la réponse. Ensuite, pour la quatrième question, combien y a-t-il de normes ISO publiées environ? 5 000, 11 000 ou 23 000 environ. Donc, la bonne réponse, c'est environ 23 000 normes. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Pensez-vous avoir... Et comme vous le savez, l'ISO a un membre par pays et le représentant au niveau de chaque pays, c'est l'Organisme national de normalisation. Donc, au Sénégal, c'est l'Association sénégalaise de normalisation. Pour la question, donc là, on vient de donner les réponses. Pour la sixième question, les normes sont-elles uniquement pour le bénéfice des grandes entreprises? La majorité a trouvé, 93% ont répondu que c'est faux. Pour la septième question, choisir la bonne réponse, la norme ISO 9001 définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Elle s'applique uniquement aux organisations commerciales pour fournir aux clients des produits et services uniformes et de bonne qualité. Donc, il y a 30% qui ont eu à donner cette réponse. Il y a également 4% qui ont donné cette norme ne s'applique pas aux organismes du secteur public. Et là, il y a 67% qui ont répondu par « elle s'applique à toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d'activité ». Eh bien, c'est ça la bonne réponse. Donc, c'est la bonne réponse est que les normes, toutes les entreprises, petites ou grandes tailles et de moyenne, tout le monde peut appliquer la norme ISO 9001. Pour la huitième question, connaissez-vous le nom de votre organisme national de normalisation? Alors, 56%, la majorité, connaissent l'Organisme national de normalisation du Sénégal. Donc, il y a 44% qui ne connaissent pas bien l'Organisme national de normalisation du Sénégal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des efforts à faire pour que l'Association sénégalaise de normalisation, qui est l'Organisme national de normalisation du Sénégal, soit bien connue du public. Pour la neuvième question, utilisez-vous une ou plusieurs normes ISO ASN dans votre vie quotidienne ou dans votre entreprise? Il y a 37% des participants qui ont répondu par oui, 63% qui ont répondu par non. Alors Marie-Claude, tout à l'heure, on aura du chemin parce qu'il faudrait que la majorité puisse utiliser les normes dans leur vie quotidienne ou dans leur entreprise. Je suis quand même très agréablement surprise, Hassan, de voir qu'il y a quand même 37% de l'auditoire qui a répondu qu'ils l'utilisent, qu'ils les utilisent déjà. C'est moi, ça. Je trouve que c'est un bon début. J'aime bien voir le verre à moitié plein. Plein, oui, ça, exact. C'est un très bon résultat d'ailleurs, comme vous venez de le dire. Alors, 37% des participants utilisent les normes dans leur vie quotidienne et dans leur entreprise. C'est une très bonne question, comme vous l'avez signalé, Marie-Claude. Alors, pour la dernière question, les normes sont-elles gratuites ou payantes? Il y a 26% qui disent que c'est gratuite,
alors que la majorité disent que c'est trop cher. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les normes ne sont pas gratuites, d'une manière générale. Donc, voici la fin du questionnaire qui a été soumis aux participants. Et globalement, vraiment, c'est des résultats satisfaits que nous avons recensés, Marie-Claude. Merci beaucoup, Monsieur Meng. Marie-Claude, voilà. Juste une petite précision. En fait, on avait un participant qui voulait savoir c'est quoi ISO. Je pense que c'est prévu dans la présentation de parler de la norme ISO. Puis l'autre chose que j'aimerais préciser, c'est que les entrepreneurs de la couveuse ont déjà fait affaire avec l'Association sénégalaise de normalisation parce qu'au début de la pandémie, on avait reçu un appui de l'Association internationale des maires francophones qui est notre bailleur de fonds, un appui pour confectionner 30 000 masques. Et les entrepreneurs étaient allés chercher la certification auprès de l'Association sénégalaise de normalisation. Donc, ça, c'était bien parce que au début, les gens utilisaient les tissus, n'importe quel tissu, mais quand ils sont allés auprès de l'association, on leur a donné les normes. Donc, les masques, moi, j'en ai reçu et je peux vous dire que c'était des masques de qualité. On ne s'étouffait pas là-dedans. Donc, je laisse Marie-Claude poursuivre. Très bien. C'est intéressant de savoir. Effectivement, peut-être une anecdote comme ça, avec la pandémie, là, on a rapidement vu, tous nos organismes nationaux de normalisation sont devenus des personnages corporatifs importants dans leur pays parce qu'on s'est rapidement rabattu sur eux pour avoir les bonnes pratiques, les bonnes façons de fabriquer l'équipement qui nous permettait de nous protéger contre le virus. Ce qu'est l'ISO, je n'irai pas rapidement, mais je suis pas mal certaine qu'Hassan a un petit point dans sa présentation. L'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation et c'est lui qui est chargé d'élaborer les normes et de mettre en place les processus nécessaires pour élaborer les normes internationales qui sont nécessaires au commerce. Juste pour vous dire, il y a plus de 23 000 normes au catalogue à l'ISO. Donc, il y a certainement une norme dans votre secteur d'activité. Et une autre statistique intéressante, sachez que chaque jour, quelque part dans le monde, il y a 9 réunions de comités de normalisation ISO quelque part sur la planète. Donc, c'est vraiment une organisation qui est très active. OK, alors je repartage mon écran pour une autre petite partie. Cyril, j'imagine qu'on aura, vous pourrez nous garder hein, le résultat du sondage. Ce sera très intéressant là, pour nos archives là, de savoir, de guider un peu sur les réponses. Alors, voilà, vous voyez mon écran? Oui, Marie-Claude, ça s'affiche bien. Merci, Hassan. Alors, rapidement, ici, je vous présente, on a créé ici au Québec, on utilise le mot « balado ». Souvent, en francophonie, on dit des podcasts. Alors, on a créé 3 podcasts intéressants si vous avez envie, là, quand vous faites votre vaisselle ou le soir, quand vous vous reposez, là, il y a à peu près 20-25 minutes chacune. Ça s'appelle « Des histoires et des normes » et puis ça vous donne des exemples de ce à quoi peut servir une norme. Alors, vous avez mangue, hibiscus et normalisation, une recette gagnante. Alors, c'est l'histoire de Valérie, une de vos collègues sénégalaises, là, qui est une transformatrice de jus artisanaux et qui nous explique comment elle a créé de la valeur dans son entreprise avec les normes. Ensuite, ici, un autre sujet très, très cher à l'Association sénégalaise de normalisation. Ici, on parle de toilettes, surtout celles qui n'existent pas encore. Vous avez l'histoire d'un Ivoirien, Doulaye Kone, qui est en fait le chargé de projet à la Fondation Bill et Melinda Gates et qui a
aider à ensemencer l'idée de mettre en place des normes sur les toilettes du futur. Et puis, l'ASN y a grandement contribué. Et puis, vous avez aussi une autre balado qui est très, très intéressante. Puis c'est pour moi ma préférée. Là, c'est normalisation et autonomisation des femmes, un mariage improbable. Alors, ça pourra vous dire quelle est la place des normes pour aider à l'autonomisation économique des femmes. Vous pouvez trouver ça sur le site web du RNF, c'est assez simple. Vous faites dans n'importe quel moteur de recherche, Association RNF, et puis vous allez trouver le site et vous allez dans l'onglet balado. Alors, la normalisation, on avait la question, est-ce que c'est un accélérateur d'innovation? Ben oui, oups, je vais reculer. C'est un accélérateur d'innovation parce qu'on dit souvent que la norme va nous aider à fournir des bonnes méthodes, des résultats et créer de la connaissance pour ensuite la diffuser puis nous permettre d'innover. Donc, partir de la norme, c'est la base, puis après, on n'a pas à se soucier de quelle est la base, on a juste à développer notre produit avec des caractéristiques là, qui sont propres à ce qu'on veut donner comme plus-value à notre produit. Alors, on avait une question dans le quiz, normes et règlements, de quoi parle-t-on au juste? Déjà, Hassan et moi, on avait une divergence. Les normes sont obligatoires ou ne sont pas obligatoires. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est un document de référence qu'on dit d'application volontaire. À la base, là, toutes les normes ISO, là, les 23 000 normes ISO que vous avez vues, sont d'application volontaire. Elles sont réalisées et écrites par l'ISO pour qu'on puisse, comme je vous le disais tantôt, savoir c'est quoi la meilleure façon de faire un produit, un service ou de mettre en place un processus. Ensuite, on va dire qu'une norme, c'est un document qui est approuvé par un organisme reconnu. Moi, Marie-Claude Drouin, dans mon salon, je ne pourrais pas faire une norme parce que je ne suis pas une organisation reconnue. Alors, ce sont des normes qui sont publiées sous l'instance ou sous l'égide d'organismes comme l'ISO, l'ASN, par exemple, au Sénégal, la BNorm au Burkina, l'ANOR au Cameroun ou le Bureau de normalisation du Québec chez nous. Ensuite, on dit que ça vient définir des exigences applicables aux activités, produits et processus. Et un autre grand point, c'était une de nos questions, qui fait les normes à l'ISO? Ce n'est pas le personnel de l'ISO qui fait les normes, c'est le comité d'experts qui sont sur les comités nationaux de normalisation. Alors, Hassan va vous en parler plus amplement tout à l'heure. Donc, c'est le fruit d'une réflexion d'un comité qui représente les parties prenantes du milieu. Alors, les parties prenantes, c'est quoi? C'est les gens qui utilisent le produit, c'est les gens qui fabriquent le produit et c'est les gens qui ont une connaissance intéressée sur le produit. Les agents de réglementation, les universitaires qui ont des spécialités sur le domaine, les chercheurs, etc. Et ça sert à quoi une norme? Ça sert à se comprendre, ça sert à faire en sorte que Sénabou l'a mentionné d'entrée de jeu, à ce qu'il y ait une compatibilité entre les produits, à ce que les chaînes de valeur puissent se parler une et l'autre, à assurer la sécurité des produits et des services, puis de diffuser les meilleures pratiques. Alors, je reviens à ma question. Les normes sont-elles d'application obligatoire ou volontaire? En fait, ce n'est pas important de se dire est-ce que c'est une norme, est-ce que c'est un règlement. Vous, comme entrepreneur, ce que vous avez besoin de savoir, c'est mon client, qu'est-ce qu'il veut? Mon client, c'est quoi les règles, les règlements ou les normes qui sont obligatoires pour lui, pour que je puisse lui vendre? Donc, on va souvent dire, c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, les normes, on dit toujours qu'elles sont d'application volontaire, mais elles peuvent être référencées dans la réglementation, qui en font des normes obligatoires, ou elles peuvent être rendues obligatoires parce que votre client vous le demande. Par exemple, si vous regardez Carrefour, je pense que vous avez des Carrefour au Sénégal, les supermarchés. Des Auchan. Auchan. Oui, si Auchan vous demande. Carrefour est présent. Hein? Bon, Auchan, Carrefour. Est présent au Sénégal. Eux, ils pourraient décider que tous les produits qui rentrent dans sur leur tablette doivent avoir XY normes comme conformité ou XY certification. Alors, bien que les normes étaient à la base d'application volontaire, elles deviennent obligatoires parce que votre client vous la demande. Est-ce que c'est clair, cette partie-là? Est-ce
Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolée parce que ça démontre que ça fait un bout que je ne suis pas allée au Sénégal, mais je n'avais pas vu Carrefour lors de mon dernier séjour. Désolée. Marie-Claude, moi, je n'ai pas de questions, mais je voudrais juste éclaircir ce que vous venez de dire. C'est que allez-y, c'est Hassan ça qui parle. Oui, c'est Hassan, oui, c'est okay. Moi. Excellent, Hassan, vous avez tous les droits. Alors, si vous permettez, la norme peut être rendue d'application obligatoire quand elle est citée dans un règlement. Alors, ça a été le cas pour plusieurs normes que l'ASN avait publiées et que par la suite, les autorités compétentes ont pris des textes réglementaires, soit par décret ou arrêté, pour les rendre obligatoires. Donc, je voudrais juste donner un exemple. L'ASN avait publié la norme sénégalaise sur le fer à béton. Et en un certain moment, on a remarqué beaucoup d'effondrements de bâtiments, et parfois même qui s'accompagnent par des pertes en vies humaines. Et quand un diagnostic avait été fait, les matériaux utilisés ont été incriminés, notamment le fer à béton. Et comme il y avait une norme sénégalaise sur le fer à béton, mais bon, qui était volontaire, les autorités compétentes, il y avait un arrêté interministériel qui avait été pris pour rendre d'application obligatoire certaines caractéristiques qui sont contenues au niveau de la norme. Et depuis que cette norme est rendue d'application obligatoire, il y a les services d'inspection qui parfois font, en tout cas, des descentes sur le terrain pour saisir des normes qui ne sont pas conformes, pour saisir des fers qui ne sont pas conformes à la norme sénégalaise. Et il n'y a pas longtemps, il y avait plusieurs tonnes de fer qui ont été saisies parce qu'ils ne respectaient pas la norme sénégalaise sur le fer à béton, notamment l'étiquetage des fers, la résistance par rapport à la traction, mais également d'autres caractéristiques qui sont contenues au niveau de la norme sénégalaise. Donc, pour vous dire, effectivement, parfois, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de santé, l'État, les pouvoirs publics, peuvent prendre des textes réglementaires pour rendre des normes d'application obligatoires. Donc, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, Marie-Claude. Excellent, j'adore ça, Hassan, quand vous ponctuez la théorie d'exemples comme ça qui sont bien propres à votre pays. Et puis, je vous dirais que là, on n'a pas d'autorité réglementaire autour de la table, mais une des façons de faire une réglementation intelligente quand on est un pouvoir public, c'est justement d'utiliser les normes puis de les référencer dans la réglementation. Parce qu'à ce moment-là, les juristes se concentrent sur ce qu'ils savent faire, écrire des règlements, et les gens techniques se concentrent sur ce qu'ils savent faire, élaborer des règles et des précisions sur les produits et les services. Je voyais dans le chat que quelqu'un disait que quand on utilise une norme, vous vouliez dire quelque chose, Sénabou? Non, vas-y. En fait, sur le chat, ben, on a deux mains levées. Il y a Mme Marie-Laure Mbouch et après M. Ndiaye. Et puis, dans le chat, on avait... c'est ça que tu voulais dire, Marie-Claude. Je suis désolée de t'avoir interrompu, mais ça s'inscrit dans la même lancée de ce que disait M. Mbeng. C'est que même en n'étant pas obligatoire, le respect des normes protège le prestataire de service en cas de conflit et d'incident. C'est une contribution de Maïmouna. Et puis, oui. Avant de donner la parole, il y a aussi, par rapport à il y a une question, en fait, de Mami Khadi, qui dit, par rapport à l'obligation de normes, y a-t-il des secteurs où c'est obligatoire, ou par exemple, le secteur agricole? Elle parle de l'import plus précisément. Y a-t-il des normes qui sont exigées pour vendre les produits? Peut-être juste pour faire un commentaire par rapport au fait que lorsque vous utilisez des normes, quand vous avez des produits qui peuvent avoir des incidences sur la sécurité du public notamment, quand vous êtes capable de démontrer en cas de poursuite que vous avez utilisé les normes, bien, vous avez une défense pour montrer que vous avez appliqué les règles de l'art. Donc, ça, ce n'est pas négligeable quand vous œuvrez dans des secteurs d'activité qui peuvent mettre en cause la sécurité des gens.
Par rapport à l'obligation des normes, est-ce qu'il y a des secteurs où c'est plus obligatoire que d'autres? C'est certain que lorsque l'on est, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans la transformation agroalimentaire, l'emballage, etc. Là-dessus, il y a beaucoup de normes volontaires qui finissent par être d'application obligatoire parce que justement, elles sont demandées par Carrefour, Auchan, Walt ou par votre acheteur ou tout simplement dans la réglementation. Donc, je vais vous le préciser un peu plus tard dans ma présentation, mais en fait, il y a trois sortes de normes. Il y a des normes qui sont nécessaires pour accéder au marché, donc les normes qui sont obligatoires. On a des normes qui peuvent être utilisées pour créer de la valeur dans notre entreprise, mais on a aussi d'autres sortes de normes qui peuvent nous aider à augmenter notre productivité. Donc, je vous laisse patienter pour aller un peu plus tard. ACEP dans l'agroalimentaire, c'est un bel exemple, les normes HACCP, et c'est d'ailleurs le balado dont je vous parlais de Valérie NDI tout à l'heure, c'est ça qu'elle explique, comment elle a intégré les normes HACCP dans son entreprise. Ça, c'est un B.A.B.A. N'importe qui se met dans la transformation alimentaire doit respecter ces normes-là. Pouvez-vous faire la différence entre normes et brevets? Ah, c'est une bonne question. Ce matin, justement, j'étais en train de préparer une formation ici pour l'Université Laval et j'étais justement sur ces questions-là de normes et de brevets et de propriété intellectuelle. On peut penser qu'une norme et un brevet, c'est deux concepts complètement antinomiques et opposés, mais en fait, c'est tout à fait complémentaire. Une norme, ça sert à créer de la connaissance pour la diffuser. Et un brevet, ça sert à s'approprier une propriété intellectuelle pour qu'on soit les seuls à utiliser. Jusque-là, c'est vrai que c'est un peu en opposition. Mais si on est titulaire d'un brevet puis on veut tirer profit de notre brevet, on pourrait faire en sorte de participer sur le comité de normalisation où ce brevet-là est applicable et faire en sorte que la norme réfère à notre brevet pour que les produits soient conformes. Alors, voilà, les normes et les brevets, ce n'est pas des concepts opposés, c'est des concepts qu'on peut utiliser en complémentarité. Merci alors, beaucoup, Marie-Claude. Alors, c'est toi qui me guides, c'est Nabou. Tu me dis si je continue sur la suite ou on a encore des questions. Oui, on avait deux personnes qui avaient levé la main. Madame Butch, elle représente le cabinet de Madame le maire de Dakar. Madame Butch, à vous la parole. Merci beaucoup, Sénabou. Vous allez bien? Bonjour à tous. Ça va très bien. Je voulais rebondir un peu sur ce que Hassan avait dit, parce qu'au niveau de la santé, je pense que maintenant tout le monde est conscient qu'au niveau des laboratoires d'analyse de biologie médicale, la norme internationale ISO 1589 est devenue d'application obligatoire après un arrêté ministériel qui a été publié en août 2017. Et donc, depuis ce moment-là, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par sa direction nationale des laboratoires, est en train d'encourager tous les laboratoires du Sénégal, et c'est aussi comme ça sur la zone CDAO, tous les laboratoires à se mettre à la démarche qualité et à aller vers l'accréditation. Bon, évidemment, comme c'est une norme assez lourde d'application, une bonne partie des laboratoires commence par la certification à ISO 9001 pour être un peu dans l'esprit de la démarche qualité et pour après tendre tout doucement vers l'accréditation. On n'a pas encore donné de délai, mais on a demandé à tous les laboratoires du Sénégal, et je crois que c'est également comme ça dans la sous-région, d'aller vers l'accréditation, parce que comme disait Marie-Claude, c'est une question de santé publique. Il ne faudrait pas que dans les laboratoires, on fasse des analyses qui ne sont pas conformes aux règles de santé. Voilà. Merci. Donc, si je peux juste ajouter un petit mot par rapport à l'intervenant, ce qu'elle vient de dire. C'est extrêmement important, les laboratoires, dans le processus qualité, dans la démarche qualité. Donc, au moment où je vous parle, nous avons réuni beaucoup de laboratoires actuellement à l'hôtel Pullman pour les former sur les exigences de la norme ISO 17025, qui est la norme d'accréditation des laboratoires. Donc, ça les prépare un peu à l'accréditation pour pouvoir justifier justement la compétence de ces laboratoires à effectuer des tests, des analyses et des essais qui seront reconnus par
tous les intervenants. Donc, pour vous dire que l'Association sénégalaise de normalisation intervient également dans la qualité et accompagne les laboratoires en vue de réussir leur démarche qualité pour une accréditation. Merci. Merci. On va passer la parole à Monsieur Ndiaye. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment très honoré et très heureux de participer à cette séance, cette session de webinaire, donc sur invitation de Hassan, que je connais bien et qui est un partenaire privilégié, je dirais, parce que m'ayant embarqué sur pratiquement tout ce qui est norme de ISO. Pourquoi? Parce que simplement, auparavant, moi, je suis quelqu'un qui est très, attaché à l'application des normes, parce qu'étant membre d'un organisme de normalisation qui s'appelle l'UIT, c'est-à-dire le TSB plus particulièrement. D'accord, vous voulez que je démarre la vidéo? Donc, étant, un membre de l'Union internationale des télécommunications pour la section TSB, c'est-à-dire Bureau de normalisation, parce que j'ai un mandat de 4 ans renouvelable et renouvelé jusqu'en 2022 sur Internet des objets et tout ce qui est ville intelligente en tant que vice-président. Et donc, je suis quelqu'un qui est très attaché aux normes et je dis encore une fois que les normes sont des principes qui permettent de crédibiliser davantage les produits et les services et qui nécessitent obligatoirement de la vulgarisation et de la communication. C'est ce qui nous manque parce que la non-application des normes aujourd'hui plombe nos économies, la non-application des normes appauvrit nos populations parce que elles vont aller donc vers une mauvaise consommation, d'où un impact sur leur portefeuille naturellement. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je crois qu'on doit aller dans une démarche, nous, Africains, dans une démarche de vulgarisation des normes, à une application stricte, parce qu'il faut de l'apprentissage, mais on doit aller vers une vulgarisation des normes. Et c'est ce que l'ASN fait. L'ASN fait un maximum pour sensibiliser, communiquer, vulgariser donc les normes, parce qu'il n'y a que ça qui pourrait quand même, non seulement sauver nos économies, mais sauver notre production locale, parce qu'aujourd'hui, la pandémie a démontré qu'il faut obligatoirement se focaliser sur les produits locaux et les produits de terroir. Donc, rendre compétitifs ces produits et éligibles aux normes de qualité, c'est une démarche que tout gouvernement et toute autorité doit aujourd'hui adopter. C'est un complément d'information et une contribution que je voulais faire à l'endroit de ces deux braves conférenciers, Hassan et Madame, parce que simplement, évidemment, moi je salue l'initiative et aimerais bien que ces sortes d'initiatives puissent se répéter et se perpétuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Marie-Claude, tu as une question. Hassan, on demande à Hassan si les normes sont obligatoires dans la production d'eau potable au Sénégal. Hassan, tu pourrais peut-être expliquer merci. Que tu donnais hier. Merci beaucoup pour cette question. Je rappelle que M. Ndiaye qui vient de parler, c'est le directeur des TIC, qui est membre également du comité de normalisation de l'ASN, et expert aussi de l'ISO TC 321, assurance des transactions de commerce électronique. Voilà, donc au Sénégal, nous avons plusieurs normes dans le secteur agroalimentaire et en même temps, nous proposons des projets de certification par rapport à ces produits. Alors, en ce qui concerne, je vais citer un domaine beaucoup plus précis, les eaux en sachet, il y a déjà une entreprise qui a été certifiée pour la fabrication d'eau en sachet
Et cette certification a permis à l'entreprise d'utiliser la marque nationale de conformité aux normes, qu'on appelle la marque NS Qualité Sénégal. Et si vous regardez bien, au niveau des eaux en sachet qui sont commercialisées par cette entreprise, il y a toujours le logo de la marque nationale de conformité. Ils ont même fait une publicité à la télé pour montrer qu'ils ont démontré vraiment leur conformité à la norme sénégalaise sur les eaux. Et depuis, ils sont pratiquement les leaders par rapport à la distribution d'eau en sachet. Voilà, c'est ce que je voudrais apporter par rapport à ça. Et ils avaient une exonération de TVA aussi, hein? Alors, l'exonération de TVA, ça c'est un autre domaine. Je vais en revenir tout à l'heure. Ah, d'accord. Excusez-moi, je me sens emmêlée dans mes pinceaux. Merci beaucoup, M. Meng, pour cette contribution. Est-ce que tu souhaites qu'on enchaîne, Sénabou? Oui? Alors, pourquoi utiliser les normes dans son plan d'affaires? Alors, Hassan, à toi la parole et puis je suis à ton écoute pour changer les diapos. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les normes touchent tous les secteurs d'activité. Et surtout, tous les aspects d'une entreprise. Donc, d'abord, pour les activités de soutien, vous pouvez trouver beaucoup de normes relatives au travail. Donc, on peut citer les normes de la série ISO 26000 sur, en tout cas, la responsabilité sociétale des organisations. Il y a également beaucoup de normes qui traitent de la comptabilité et de la gestion. Donc, quand vous venez également, du point de vue activité primaire, les normes touchent plusieurs secteurs, dans le secteur des transports également, pour la logistique, rien que pour la logistique, il y a une norme ISO, donc la norme ISO de la série 22000, notamment la norme ISO 22002 de 2019, qui parle de prérequis pour la sécurité des denrées alimentaires, mais qui est focus sur la partie transport et stockage. Alors, vous venez à nouveau du point de vue des opérations, il y a plusieurs normes qui sont utilisées. Donc, actuellement, on est à l'ère du numérique. Je peux parler de la norme, les normes de la série ISO 27000 qui parlent de la sécurité, de l'information, les normes sur la protection des données à caractère personnel, il y en a plusieurs. Alors, du point de vue également service, donc vous savez qu'il y a une ISO 20000. Du système de management appliqué aux services. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas un secteur d'activité qui est épargné par les normes. Soit c'est des normes qui ont été publiées par l'ISO, ou bien des normes qui ont été publiées par la Commission électrotechnique internationale, ou bien des normes dans le domaine, dans le secteur des télécommunications, où il y a l'UIT qui intervient. Je change le slide. Hop. Alors, pourquoi utiliser les normes dans son plan d'affaires? D'abord, les normes ont un impact sur la compétitivité des entreprises. Donc, ça permet d'abord aux entreprises de gagner en efficacité. Alors, les entreprises qui mettent en œuvre les normes gagnent beaucoup d'efficacité. Il y a moins de pertes de temps, donc les processus sont bien huilés. Il y a également les ressources qui sont optimiser, gain de temps et d'argent. Donc là, peut-être on va en revenir tout à l'heure. Il y a également l'amélioration des produits et des processus. Donc les entreprises qui mettent en œuvre les normes, ils ont des produits de qualité, des produits sûrs, en tout cas qui répondent à l'attente des consommateurs. L'accès au marché également, qui est extrêmement important. Nous sommes actuellement dans une zone de libre-échange continental qui est entrée en vigueur. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui caractérise la zone de libre-échange continental, c'est la libre circulation des produits. Alors, comme il y a moins de barrières tarifaires, comme il n'y a plus pratiquement de droits de douane, ce qui constitue aujourd'hui le passeport, c'est les normes et la certification, pouvant accompagner les produits à être commercialisés beaucoup plus facilement à travers
l'Afrique. Mais les normes également pour les entreprises, ça permet de projeter une image professionnelle sérieuse pour les entreprises. Et là, ce qu'il faut noter par là, c'est que les entreprises qui mettent en œuvre les normes ou qui disposent d'une certification, donc c'est des entreprises qui gagnent la confiance des partenaires. Il y a beaucoup d'entreprises, moi personnellement, en tout cas beaucoup de partenaires financiers qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient l'intention de soutenir financièrement certaines entreprises, mais ils ne savent pas si les produits qu'ils vont utiliser seront des produits de qualité ou pas. Et la meilleure façon de gagner la confiance des partenaires financiers, c'est de démontrer que les produits que vous allez mettre en place sur le marché ou bien que les produits que vous allez utiliser dans votre projet sont des produits qui sont certifiés et des produits de qualité. Alors, il n'y a pas seulement que les entreprises qui, en tout cas, qui peuvent utiliser leurs normes dans leur plan d'affaires, les pouvoirs publics également. L'importance des normes pour la croissance économique n'est plus à prouver. Donc, plus les entreprises, plus les organisations mettent en œuvre les normes, plus il y a une croissance économique qui va se décliner. Pour les pouvoirs publics également, les normes permettent de soutenir les bonnes pratiques réglementaires. Donc, Marie-Claude l'a soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, nos pays sont signataires des accords de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, lesquels accords s'adressent non seulement aux pays membres, mais également aux organismes de normalisation et également aux organismes qui ont en charge la réglementation. Pour dire que les organismes qui sont chargés de la réglementation, les États, les ministères, peuvent s'appuyer sur les normes pour étayer la réglementation. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'un texte réglementaire qui a été pris et qui disait tout simplement que la norme telle est rendue d'application obligatoire. Donc, ça c'est très simple. C'est un gain de temps pour les autorités. C'est juste prendre la norme et vous la rendre d'application obligatoire. Donc, tout le monde va se conformer à la norme. Maintenant, pour finir, d'une manière résumée, donc les normes sont des outils de mise en œuvre des politiques publiques. Alors, l'apport des organismes nationaux de normalisation dans leur plan d'affaires. Donc, l'Association sénégalaise de normalisation soutient les entrepreneurs pour leur faciliter l'accès à l'information. Donc, nous avons ici, au niveau de l'ASN, en tout cas des divisions, un service qui s'occupe que d'informations qui sont relatives aux normes. Quelles sont les normes qui sont nouvellement publiées? Quelles sont les normes qui intéressent vos domaines d'activité? Donc, l'Organisme national de normalisation aide les entrepreneurs à faciliter, en tout cas, leur accès aux normes. Mais également, nous offrons un service d'accompagnement personnalisé pour les entreprises. Donc, nous faisons des formations à l'endroit des entreprises, mais également des veilles normatives, donc, qui permet aux entreprises d'être informées aux dernières évolutions de la technologie, mais également aux dernières évolutions des normes qui sont publiées dans leur domaine d'activité. Renforcer la participation des entrepreneurs à l'élaboration des normes, ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, chaque entrepreneur, les entreprises ont la possibilité de participer aux travaux de normalisation, que ce soit au niveau national, au niveau régional, comme au niveau international. Donc, le leadership du Sénégal par rapport à la participation de ses experts nationaux aux travaux de normalisation n'est plus à démontrer. Donc, nous participons tous les jours pour tout ce qui concerne les intérêts nationaux aux travaux de normalisation, soit au niveau de l'ISO, soit au niveau de la Commission électrotechnique internationale, soit également au niveau de l'Organisation africaine de normalisation où nous assurons les secrétariats de comités techniques, où nous intervenons également dans les groupes de travail qui définissent les normes qui régissent les secteurs d'activité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Meng. Cela clôt la partie « Pourquoi utiliser les normes dans votre plan d'affaires ?» Et on a quelques questions pour vous. Donc, on a une question qui dit « Pourquoi les normes ISO 22000 doivent revêtir un caractère obligatoire ?»
Et la personne qui a posé la question fait une thèse sur le domaine et aimerait bien vous rencontrer dans le cadre de ses recherches. Voilà, ça c'est de un. Donc, je vous laisse répondre avant de donner les autres questions. Alors, pour tout ce qui est la série de normes 22000, c'est des normes qui touchent l'agroalimentaire. Donc, beaucoup de personnes pensent que ça, c'est un domaine qui est sensible, qui peut toucher directement la santé des populations. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, les autorités publiques, en général, quand il s'agit de problèmes, en tout cas de questions qui sont directement liées à la santé ou la sécurité des populations, peuvent prendre des textes réglementaires pour rendre des normes obligatoires. En tout cas, ce sera... Bon, c'est toujours souhaitable que les normes de la série ISO 22000 puissent être rendues d'application obligatoire, mais tout dépendra de l'urgence, tout dépendra du contexte, tout dépendra également des autorités publiques. Mais si vous demandez, en tout cas, il y a des possibilités à ce que les autorités publiques soient saisies pour que ces normes soient rendues d'application obligatoire et ce sera au bénéfice des consommateurs et des utilisateurs. En ce qui concerne l'ASN, donc nous, on est au 4 avenue Jean Jaurès en ville. Donc, si vous venez, vous pouvez également nous consulter à partir de notre site web asn.sn ou envoyer un mail à asn@asn.sn. Donc, vous aurez tout l'accompagnement nécessaire par rapport à vos recherches. Merci beaucoup, Monsieur Mbeng. C'est fort apprécié. On a Amidou qui aimerait savoir est-ce que la normalisation, qui aimerait être renseignée sur la normalisation en amélioration génétique animale au Sénégal? Alors, c'est je suis un contente sujet. Que tu sois là, Hassan. Je ne pourrais pas répondre. C'est un sujet extrêmement important. Nous, au niveau de l'Association sénégalaise de normalisation, nous élaborons des normes dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Et pour la plupart du temps, c'est les parties prenantes d'un secteur donné qui nous saisit pour qu'on puisse élaborer une norme de leur domaine d'activité. Donc, nous, on est ouvert. Donc, quand vous vous adressez à l'ASN, on mettra à votre disposition donc, la norme que vous souhaitez, ou bien on va mettre très rapidement un comité technique qui va élaborer une norme spécifique de votre domaine d'activité. On est ouvert par rapport à ça. Merci beaucoup. En fait, la question de Cher Tidiane, elle est vraiment longue. Je pense que je vais lui donner la parole pour qu'il parle. Très brièvement, Cher Tidiane, si tu peux résumer ta question à M. Mbeng, parce que sa question s'adresse à M. Mbeng. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, donc je vais essayer seulement de relire pour aller plus vite. Bon, ma question est pour l'ASN. Étant donné que pour la sécurité et la santé, les autorités peuvent prendre des décisions de rendre obligatoire une norme. D'ailleurs, en 2015, une famille a connu une intoxication de monoxyde de carbone dégagée par le charbon de bois s'il est mal consommé en dormant ensemble dans une famille. Et il y avait deux morts, le père et le benzamètre. La mère et les autres donc, avaient des symptômes et des problèmes respiratoires. Donc, quelle norme de sécurité et de santé pour les énergies fossiles? Alors, nous avons dans notre catalogue plusieurs normes dans le domaine des énergies renouvelables et l'utilisation des énergies fossiles. Et toutes ces normes peuvent être consultées à partir de notre catalogue qui est disponible également en ligne. Et nous avons également élaboré une norme nationale sur l'utilisation, en tout cas des foyers améliorés. Bon, ça, c'est plutôt pour l'utilisation efficiente des intrants pour pouvoir faire de la cuisson. Mais en ce qui concerne votre question spécifique, nous avons déjà plusieurs normes dans notre catalogue. Et comme je vous ai dit, c'est les autorités qui peuvent prendre des textes réglementaires pour rendre les normes obligatoires. Mais les normes sont bien là dans notre catalogue. Et ce sera bien, par exemple, les associations de consommateurs ou bien les leaders d'opinion, vous avez la possibilité de contacter les ministères en charge du secteur pour qu'ils prennent des textes réglementaires.
Donc, vous pouvez également vous rapprocher de nous et en tout cas, on pourra réfléchir sur les voies et moyens pour sensibiliser les autorités dans ce domaine pour rendre obligatoires les normes qui sont déjà publiées par l'Association sénégalaise de normalisation. Donc, même au-delà de ce que vous venez de citer tout à l'heure, nous avons déjà élaboré la norme sur les installations électriques intérieures et vous savez que surtout il y a l'hivernage qui arrive. Il y a la norme sur les installations électriques intérieures qui a été publiée depuis longtemps et on a fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'incendies sur les établissements recevant du public, qu'on appelle les ERP, et également les établissements recevant des travailleurs. Et ces incendies étaient dus à des installations non conformes. Et le président de la République avait pris un décret en 2017 pour rendre la norme sur les installations électriques intérieures d'application obligatoire. Et ces temps-ci, si vous faites attention sur les radios, il y a un spot qui passe et qui parle du COSIEL. Donc, c'est ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, dans le décret qu'il avait pris pour rendre la norme sur les installations électriques intérieures d'application obligatoire, dorénavant, pour qu'une, en tout cas, pour qu'une une famille ou bien une concession fasse un abonnement d'électricité au niveau de l'opérateur d'électricité, il faudrait qu'il présente dans les dossiers d'abonnement une attestation de conformité qui montre que son installation est conforme à la norme sénégalaise. Donc, si dans le dossier, il n'y a pas l'attestation de conformité qui témoigne de la conformité de son installation par rapport à la norme sénégalaise, l'opérateur national d'électricité ne donnera pas suite par rapport à sa demande. Autrement dit, il n'y aura pas son compteur qui sera sous tension. Donc, c'est des raisons qui sont liées à la sécurité et à la santé des populations et même à la protection de l'environnement qui poussent souvent les autorités à prendre des textes réglementaires qui rendent des normes d'application obligatoires. Donc, c'est l'occasion pour les associations de consommateurs, en tout cas, de faire ce portage à l'endroit des autorités pour que des mesures soient prises pour rendre les normes obligatoires. Merci beaucoup, M. Mbouch. On voit que le thème de la normalisation suscite beaucoup d'intérêt. Donc là, je vais passer la parole à Marie-Claude pour la quatrième partie. Et là, on va être rattrapé par le temps. Je vais faire ça de façon efficace, Sénabou. Alors, comment se servir des normes dans vos plans d'affaires? Alors, cette partie-ci, pour moi, est une partie où je dis, j'aime bien cette citation, « La qualité n'est jamais le fruit du hasard, elle est toujours le résultat d'un effort intelligent. » Et s'il y a une partie pour laquelle je veux que vous reteniez des premiers réflexes, là, c'est bien celle-ci. Quand on est devant notre plan d'affaires, là, puis on veut voir comment les normes pourraient nous aider à créer de la valeur, on a quatre étapes à suivre. Alors, la première, trouver les normes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des normes à toutes les étapes d'une entreprise. Il y a 23 000 normes au catalogue. Il faut s'y retrouver et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple au nord comme au sud. Mais chez vous, vous êtes chanceux. Vous avez un point focal pour les obstacles techniques au commerce, qu'on appelle, à l'ASN. Alors, pour vous aider à vous retrouver, Hassan l'a bien dit tout à l'heure, l'ASN, vous avez vraiment, sans farce, là, je peux le souligner, là, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'organismes de normalisation. Vous avez vraiment un organisme de normalisation dynamique et très ancré dans son milieu au Sénégal avec l'ASN. Donc, pour trouver les normes qui s'appliquent à votre secteur d'activité, vous pouvez contacter l'ASN et son point focal qui va vous aider à faire le tri. Parce que c'est toujours une... Puis tout à l'heure, vous aviez aussi un de vos collègues qui le disait, c'est important de vulgariser la normalisation. C'est sûr qu'au début, on ne va peut-être pas se rendre jusqu'à la certification, mais le fait d'avoir pris la norme, de l'avoir... Évidemment, ils sont payantes, les normes, il faut les acheter. Mais c'est un investissement parce que ça va vous donner les meilleures pratiques du coup. Vous allez avoir un cursus de connaissances pour quelques centaines d'euros qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, les trouver, appeler l'ASN et les mettre à jour
C'est important d'avoir les normes à jour. Je vous cite l'exemple du Guatemala à un moment donné qui a fermé ses frontières. En fait, il n'a pas fermé ses frontières, mais il a modifié un point dans sa réglementation et le Mexique qui exportait ses baies de façon régulière n'a pas vu venir que le Guatemala avait changé sa règle et hop, les frontières se sont fermées et les baies sont restées à quai. Donc, les trouver et les avoir à jour. Hop. Ici. Deuxième point, les sélectionner. Oups, je vais reculer. 23 000 normes au catalogue juste à l'ISO. Ça, c'est sans compter celles qui sont publiées au national avec l'ASN. Il faut s'y retrouver. Évidemment, ce ne sont pas toutes les normes qui vont être applicables pour vous. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a trois grands types de normes. Celles qui s'appliquent à notre marché. Donc, mon acheteur, le marché que je vise, il veut quelles normes qui sont obligatoires, quels règlements qui sont obligatoires. Ça, de faire tout de suite un portrait de cette situation-là va vous permettre de savoir ce que vous devez faire dans votre entreprise pour vous assurer que votre produit, votre service répond aux normes et ne pas vous fermer de porte au marché. Ensuite, vous pouvez utiliser d'autres normes pour créer de la valeur dans votre entreprise. Si vous allez chercher une certification bio, par exemple, vous allez être en mesure de vendre de façon plus chère vos produits. Si vous allez chercher une certification responsable quelconque, vous allez pouvoir vous démarquer de votre concurrence. Puis il y a aussi celle qui vous aide à avoir une meilleure compétitivité. La norme la plus souvent citée à ce chapitre-là, c'est la norme ISO 9001 sur la qualité qui vous permet d'avoir une bonne maîtrise de tout votre processus de fabrication de produits ou de services qui va vous permettre de bien maîtriser vos coûts. Je vous donne un exemple rapide là, imaginons quelqu'un qui fabrique des bavoirs pour les bébés avec des composantes de caoutchouc. Bon, cette personne-là pourrait décider d'aller faire certifier ses produits pour la sécurité, pour s'assurer à ses acheteurs que son produit répond bien à la sécurité des bébés. À ce moment-là, elle pourrait se placer dans un marché de niche et vendre plus cher ses produits parce qu'elle est allée chercher des certifications supérieures. Elle pourrait aussi décider par la suite qu'elle veut optimiser son processus de fabrication des bavoirs et qu'elle va introduire la norme ISO 9001. Obligée d'aller chercher une certification dès le début, mais ça va chercher les bonnes pratiques de gestion de cette norme-là pour pouvoir mettre en place des processus plus efficaces et efficients. Elle pourrait aussi, par exemple, décider qu'elle va réduire ses coûts énergétiques en utilisant la norme ISO 50001, où elle va instaurer dans son entreprise un processus pour maîtriser ses coûts d'énergie, si elle juge que les coûts d'énergie sont un endroit où elle perd de l'argent. Alors, ça vous donne une idée que les normes, qu'elles soient volontaires, pour créer de la valeur ou améliorer la compétitivité, vous avez beaucoup de choix. À ce moment-là, vous devez faire une analyse coût-bénéfice pour savoir lesquelles vous allez choisir et lesquelles sont d'utilité pour vous. Et jusqu'à présent, ça ne vous a pas coûté cher. Ça vous a coûté de l'huile de coude, un peu de temps, puis quelques centaines d'euros pour acheter les principales. Et vous avez gagné beaucoup, beaucoup de connaissances. Alors, la troisième, les appliquer et attester de leur conformité. Une fois qu'on a les normes, après ça, on peut décider de les implanter dans l'entreprise. À ce moment-là, il faut parfois modifier notre produit, modifier notre chaîne de production, investir dans nos laboratoires, faire des tests, moderniser les équipements. Là, c'est là qu'il y a des coûts. J'en conviens. Mais on l'a dit tout à l'heure, la qualité, c'est le résultat d'un effort intelligent et d'un investissement. On n'est pas obligé de tout faire dès le début. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'intervention du collègue qui participe au comité d'élaboration de normes où il faut commencer par vulgariser les normes et se les approprier. Créer une culture de la qualité dans nos pays, ça se développe petit à petit. Alors, et vous pouvez vous faire accompagner. Je suis certaine que l'ASN a des services pour l'accompagnement à l'implantation des normes, Hassan. Oui, bien sûr. Et une quatrième étape qui pourrait être utiliser comme stratégie dans votre entreprise, dépendamment où vous êtes dans votre maturité, c'est d'influencer vous-même les normes. On l'a dit tout à l'heure et on avait le collègue qui participait à un comité d'élaboration de normes. Vous avez voix au chapitre au travers de l'ASN
pour aller porter votre voix dans les normes qui sont d'intérêt pour vos plans d'affaires. Alors ici, je dis souvent qui fait la norme fait le marché. Puis ça, ces deux personnes-là, là, c'est des vraies personnes qu'on connaît au RNF. C'est nos collègues de Madagascar. Alors lui, c'est le directeur du ministère de l'Économie. Et puis ici, on a un membre de notre conseil d'administration, Séraphin, qui est le DG de l'association malgache de normalisation. Alors oui, c'est vrai, vous pouvez aller influencer les normes. Puis je vous donne un exemple de la Malaisie. À un moment donné, il ne faut juste pas que je me trompe de pays. Il a été question d'interdire le caoutchouc naturel parce que ça causait des réactions allergiques. La Malaisie, étant un grand producteur de caoutchouc naturel, a tout de suite vu un gros problème de production et de création de valeur dans son pays. Alors, elle a participé à l'élaboration des normes pour montrer qu'ils étaient en mesure de mettre en place des processus qui enlevaient la composante allergique dans le caoutchouc naturel. Ils ont fait normer ça dans la norme. Ce qui a fait que par la suite, les frontières sont restées ouvertes pour leurs produits. Donc, c'est possible de participer à l'élaboration des normes. Il suffit de contacter l'ASN et puis ça vous donne une veille sur ce qui s'en vient, ça vous donne un contrôle sur ce qui s'en vient, ça vous permet de rencontrer les collègues, les compétiteurs, les distributeurs de produits. Là, juste Marie-Claude, pour appuyer ce que vous venez de dire, grâce à leur participation à l'élaboration d'une norme internationale, ils ont évité l'interdiction du caoutchouc naturel dans la fabrication. Mais nous également, nous avons un exemple au niveau du Sénégal. Lorsqu'on élaborait la norme internationale Codex sur les oranges, alors la couleur qui avait été acceptée, c'était la couleur orange des oranges. Ah, c'est bon ça! Mais c'était alors, pas bon pour vous? Non, ce n'est pas bon pour nous parce que heureusement que nous avons un expert sénégalais, des experts d'ailleurs, qui ont participé à l'élaboration de cette norme internationale. Et ils ont dit, mais attention, au Sénégal, nous avons des oranges qui ne sont pas de couleur orange. Nous avons des oranges de couleur jaune ou autre. Et c'est grâce à l'intervention des représentants du Sénégal aux travaux de normalisation au niveau international que ces couleurs ont été acceptées. Sinon, on va récolter des oranges de couleur verte qui ne sont plus commercialisés au niveau international. D'où l'importance de participer à l'élaboration des normes internationales surtout. Voilà. Alors là, ici, on n'était pas dans une question de virgule, comme les avocats ont coutume de faire, mais dans une question de couleur qui est fort, fort pertinente, parce qu'effectivement, les oranges ne sont pas tous oranges. Merci. J'adore beaucoup. Ça, moi, faire des présentations avec les collègues, j'apprends plein de choses. Je vais vous citer, Hassan. Est-ce que ça clôt la partie 4? Vous avez une information à partager? Dernière chose, oui, une petite information à partager. Justement, sur la participation des normes, demain, 17 juin, on fait un webinaire avec l'Association française de normalisation. On est au tout début du processus. L'AFNOR veut proposer à l'ISO de mettre en place un comité de normalisation pour élaborer les bonnes pratiques pour tenir compte des égalités hommes-femmes dans nos organisations. Alors, si ça vous intéresse de voir un peu comment ça se passe au tout début du processus, vous pouvez assister à ce webinaire-là demain. Stéphane, vous pourrez, s'il vous plaît, mettre peut-être l'heure et le lien dans le chat. Vous êtes Annie, il faut juste s'inscrire à l'avance. Oh, merci Stéphane, il est vraiment génial. Ça vous permettra de voir comment ça fonctionne. Puis je suis certaine que l'égalité homme-femme, femme-homme, c'est des questions qui vous préoccupent. Voilà, c'est terminé, c'est Nabou pour cette session. Merci beaucoup. Là, il est 11h30, il nous reste un bloc, non le moindre. Donc, Monsieur Meng, à vous la parole. Merci beaucoup, Seynabou. Qui peut vous aider? Donc, je crois que c'est le titre de cette dernière partie de la présentation. Alors, l'Association sénégalaise de normalisation peut vous aider. Bien, l'Association sénégalaise de normalisation, comme vous le savez, est sous la tutelle du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries.
Et pour le plan de la présentation, et ça va aller très vite, hein, donc on va juste parler des missions de l'ASN, de la représentation de l'ASN au niveau international, de la structuration des comités techniques, de l'évaluation de la conformité. Vous avez sans doute entendu parler à plusieurs fois l'évaluation de la conformité et donc d'un cas pratique qu'on a déjà au niveau national sur l'importance des normes, mais également quelques points sur la promotion de la qualité. En ce qui concerne les missions de l'Association sénégalaise de normalisation, c'est le recensement des besoins en normes nouvelles, l'examen et l'adoption, mais également la diffusion des normes nationales comme internationales. Vous savez que l'ASN est membre à part entière de l'ISO, donc nous avons toutes les normes de l'ISO. Toutes les normes dont vous avez besoin, on peut mettre ces normes à votre disposition. Alors, nous faisons également la certification aux normes pour les produits avec la marque NS Qualité Sénégal. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'une entreprise qui a déjà eu la certification par rapport à ses produits. Donc, tout à l'heure, il y a Seynebou qui parlait il y a quelques années de cela lors de la présence de la pandémie. Donc, nous avons mis en place un plan d'action de riposte contre le coronavirus. Et en ce moment-là, il y avait la délégation à l'entrepreneuriat rapide sur instruction des autorités. On fait la commande des 10 millions de masques uniquement chez les producteurs dont leurs masques ont été certifiés par l'ASN. Donc, à l'époque, nous avons eu à certifier plus de 200 entreprises lors de notre plan d'action de riposte contre le coronavirus. La promotion de la normalisation et des activités connexes. Donc, chaque année, nous organisons la Journée mondiale de la normalisation selon le thème qui est bien défini et nous invitons l'ensemble des experts, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des entrepreneurs qui sont engagés à l'œuvre de la normalisation. La représentation également du Sénégal avec les experts nationaux aux travaux de normalisation au niveau régional, international, de normalisation. Alors, donc ça, c'est un schéma qui montre un peu notre présence au niveau international. Donc, l'Association sénégalaise de normalisation participe au programme des pays affiliés de la CEI, donc la CEI qu'on appelle la Commission électrotechnique internationale, qui élabore et publie les normes internationales dans le domaine de l'électricité, l'électronique et les technologies apparentées. Donc, l'ASN également participe aux travaux de normalisation au niveau du SMIC. Donc, le SMIC, qui est l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques. Donc, vous avez entendu parler de tout ce qui est normes halal, etc. Donc, c'est le SMIC qui organise, en tout cas, qui publie ces normes-là. Donc, au niveau de l'ISO, nous sommes membres à part entière de l'ISO, au même titre que l'AFNOR, au même titre que ANSI, au même titre que Codinorme, etc. Donc, ils sont des organismes nationaux de normalisation. Nous participons également à l'élaboration des normes au niveau du Codex Alimentarius, donc, qui publie les normes internationales dans le domaine agroalimentaire. Et au niveau régional, l'ASN est membre fondateur de l'ORAN, qui est l'Organisation africaine de normalisation, et au niveau ECOCHAM, qui est le comité d'harmonisation des normes de la CEDEAO. Nous intervenons là-bas également sur les comités techniques de normalisation et nous assurons les présidences et même les secrétariats des comités d'harmonisation des normes. Donc, je vais juste donner le dernier comité qui a été mis en place, c'est le comité d'harmonisation des normes dans le domaine des TIC, où moi-même j'assure le secrétariat technique. Hassan, je vais me permettre de vous dire que c'est vrai que le RNF ne fait pas de normes, mais vous êtes aussi très actif au sein du réseau normalisation et francophonie parce que votre DG est le vice-président Afrique du RNF. Tout à fait. Il faudrait merci rajouter, hein? Bien sûr. Alors, qui élabore les normes au niveau de l'Association sénégalaise de normalisation? Ce n'est pas l'ASN même qui élabore les normes. Donc, les normes sont élaborées par les acteurs même qui l'utilisent. Donc, pour l'élaboration des normes, nous avons des comités techniques de normalisation et les comités techniques peuvent être divisés en sous-comités techniques
Et en fonction de la taille, on peut mettre en place un groupe de travail qui va réfléchir sur l'élaboration d'un draft qui va constituer plus tard un projet de norme ou bien une norme qui sera publiée. Donc, en même temps, le comité technique peut servir de comité miroir. Au niveau du Sénégal, il y a l'Association sénégalaise de normalisation avec l'aide du RNF, Marie-Claude, son équipe, qui nous a beaucoup soutenus sur le comité miroir ISO-PC 305, qui est devenu par la suite ISO-PC 318, où le Sénégal a joué un rôle extrêmement important. Où, comme elle vient de le dire, il y a le directeur général qui a assuré le secrétariat du comité international de projet de l'ISO sur les toilettes innovantes. Donc récemment, on était dans plusieurs pays africains pour les former sur les normes internationales, notamment la norme ISO 3500 sur les systèmes d'assainissement autonome. Et là, c'est le Sénégal qui a été pris grâce à son leadership au niveau international, à encadrer, à former les autres pays africains sur l'utilisation de la norme internationale ISO 3500. Donc ça, pour vous dire que le Sénégal est bien présent au niveau international grâce à l'appui du RNF, à participer activement aux travaux de normalisation. Et là, grâce à notre expérience internationale, nous sommes en train de former d'autres pays africains sur l'utilisation et la participation active des parties prenantes des pays à l'élaboration des normes au niveau international. Quand on parle de normes, forcément, on doit penser à l'évaluation de la conformité. Parce qu'en réalité, la normalisation et l'évaluation de la conformité sont assimilables à deux faces d'une pièce de monnaie. Quand on met en place les normes, on s'attend à ce qu'on puisse démontrer que les produits que nous mettons en place, que les services que nous fournissons sont conformes aux normes. C'est ça qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Et cette évaluation de la conformité, son rôle est de garantir que les produits, les services que nous proposons sont sûrs et de bonne qualité et qu'elles peuvent être vendues aux consommateurs et à l'industrie. Donc, c'est une chose extrêmement importante que nous venons, en tout cas que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau du Sénégal, cette évaluation de la conformité pour un secteur bien spécifique que je vais venir tout à l'heure. Alors, l'élaboration des normes, c'est une activité d'intérêt général, donc où l'ensemble des parties prenantes intéressées peuvent intervenir pour publier les normes, mais également pour les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, au niveau de notre stratégie nationale de normalisation, on fait toujours référence en ce qui concerne l'élaboration des normes nationales. On fait référence aux normes internationales. Est-ce qu'il y a une norme internationale qui existe dans le secteur où on veut mettre en place des normes? S'il y a une norme internationale qui existe, on va étudier cette norme. Et là, dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit la norme rencontre les aspirations du pays, les aspirations, en tout cas, rencontre toutes les exigences dont on a besoin dans le secteur. Dans ce cas, on fait une adoption à l'identique. Autrement dit, sans modification du contenu ou bien de la structure. Donc, c'est ça l'adoption internationale d'une norme. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, en vertu de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, si chaque pays élabore ses propres normes et fait une évaluation de la conformité par rapport à ses propres normes, nous allons avoir des difficultés pour échanger nos produits. Parce que chaque pays va exiger que les produits qui seront, en tout cas, mis en circulation au niveau de son territoire soient conformes à leurs propres normes. Et dans ce cas, on ne s'entend plus. C'est la raison pour laquelle on fait toujours référence aux normes internationales, si tant est que la norme internationale elle est pertinente par rapport au secteur d'activité et que cette norme internationale rencontre les aspirations de l'ensemble des intervenants au niveau du secteur. Donc, c'est un schéma qui montre un peu l'importance de l'utilisation des normes internationales et que nous, en tant qu'organisme national de normalisation, on veille à ce que les normes que nous mettons en place sur le marché s'inspirent des normes internationales pour éviter tout ce qui est obstacle inutile au commerce.
Ça, c'est un cas pratique que nous sommes en train d'expérimenter au niveau du Sénégal. Tout à l'heure, au niveau du grand schéma que j'ai publié, qui concerne la présence du Sénégal au niveau des institutions internationales de normalisation, le Sénégal participe au programme des pays affiliés à la Commission électrotechnique internationale. Donc, on est membre à part entière de l'ISO. On participe au programme des pays affiliés à la Commission électrotechnique internationale. Et la particularité un peu de la Commission électrotechnique internationale, c'est qu'il permet aux pays qui sont membres ou membres affiliés de pouvoir utiliser les systèmes d'évaluation de la conformité. Et ces systèmes d'évaluation de la conformité, c'est quoi exactement? Alors, nous, pour la plupart des pays en voie de développement, nous n'avons pas tout le temps tous les laboratoires qu'il nous faut pour effectuer tous les tests et tous les essais par rapport aux produits. Et quelle est la solution? La solution, c'est de pouvoir demander aux importateurs de nous amener des produits qui sont certifiés. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier les certificats de conformité de ces produits pour pouvoir leur autoriser à faire des importations. Donc, c'est ce schéma qui est utilisé par l'Association sénégalaise de normalisation grâce à son leadership, et notamment le leadership du directeur général, pour proposer aux autorités compétentes, notamment les autorités en charge du secteur de l'énergie, que nous puissions contrôler l'importation des produits solaires. Et comme ça, dans le marché au niveau national, il n'y aura que des produits solaires de bonne qualité. Et la première mesure qui a été prise par les autorités, c'est une mesure incitative qui dit que si les produits solaires que vous importez sont certifiés, et que cette certification a été authentifiée par l'ASN, on renonce à la TVA. Ça, c'est une mesure extrêmement importante pour les gens qui utilisent des produits certifiés, des produits de qualité qui sont conformes aux normes. Donc, sachez qu'au niveau du Sénégal, pour tous les importateurs, pour tous les entrepreneurs qui sont dans le secteur du solaire, s'ils mettent sur le marché des produits conformes aux normes, ils ne payent plus la TVA. Donc ça, c'est des mesures extrêmement importantes qu'il faut saluer. Et c'est des mesures qui font en sorte que c'est avantageux de chercher la certification. Exact. Alors ça, c'est juste un résumé du processus que l'ASN a mis en place pour la délivrance de CUTUS aux importateurs qui les permet de ne pas payer la TVA. Donc, le demandeur qui peut être l'importateur, il a un formulaire à remplir et qu'il va présenter à l'ASN. Et l'ASN va vérifier, donc à partir de la base de données, notamment la base de données de l'ISC, si ce certificat est bon. Donc, si tel est le cas, on délivre un CUTUS qui est signé par le directeur général avec un QR code et une signature électronique. Et c'est ce CUTUS qui permet à l'importateur de ne pas être facturé la TVA au niveau de la douane. Et comme ça, à la revente, les produits vont être vendus moins cher et la TVA ne sera plus facturée aux clients. Donc ça, c'est des mesures qui permettent au marché d'être ravitaillé en produits de bonne qualité, surtout en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'utilisation du solaire. Donc c'est un modèle qui peut être multiplié dans d'autres secteurs. Donc nous avons ici la présence du représentant du ministère des Télécoms. Donc on est en train de vérifier sur des actions, sur des mesures incitatives, en tout cas qui vont aller dans le sens de faciliter les acteurs qui sont dans le secteur des télécoms ou du numérique, de telle sorte que s'il y a des certifications, s'il y a des entreprises qui ont démontré leur conformité par rapport aux normes, qu'ils puissent vraiment bénéficier des mesures incitatives. Donc là, c'est des temps forts de l'Association sénégalaise de normalisation. Pour le premier schéma qui est tout à fait en haut, ça, c'était lors de notre plan d'action de riposte contre le coronavirus, donc où il y avait beaucoup d'artisans, de fabricants de masques qui ont été certifiés. Donc, je disais tantôt qu'à chaque année, on célèbre la Journée mondiale de la normalisation, qui est une journée qui est célébrée conjointement par l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, la Commission électrotechnique internationale, mais également l'UIT. Là, tout à fait en bas à gauche, c'est une réunion plénière de l'ISO TC 321. Et là, je rappelle que Marie-Claude a joué un rôle extrêmement important pour la participation du Sénégal en tant que membre paix au niveau de ce comité international de l'ISO. Et là,
Ben, je savais que je vous avais vu quelque part, Hassan, c'est là. Vous oui, c'est là. Vous étiez dans ce comité. C'est exactement ça. Alors, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, qui est membre de ce comité, qui est expert de ce comité. Donc, c'est le monsieur Ndiaye, qui est au niveau du ministère des Télécommunications. Donc, tout à fait en haut à droite, donc ça, c'était une réunion de l'ISOPC 305. Donc, je disais tout à l'heure que le directeur général de l'ASN était le secrétaire, le co-secrétaire de ce comité international de projet, donc avec l'organisme américain de normalisation, et ce qui a abouti à la publication de la norme internationale ISO 30500. Donc ça, c'est une réunion qui s'était passée ici à Dakar. Et il y a, si vous regardez bien tout à fait à votre droite, le ministre de l'Industrie à l'époque qui avait présidé la réunion. Donc tout à fait au milieu à gauche, donc ça, c'est une réunion du comité électrotechnique national, donc le comité que vous assure le secrétariat, qui était en train d'étudier des normes de la CEDEAO dans le domaine de l'étiquetage des appareils électrodomestiques. Donc, tout à fait en bas à droite également, ça, c'est la présence de l'ASN au niveau du secteur, notamment du secteur des énergies renouvelables. Et là, c'était une formation qui était destinée aux douaniers pour qu'ils puissent connaître physiquement quels sont les matériels qui sont concernés par l'exonération de la TVA et quelles sont les actions à faire pour pouvoir faciliter le dédouanement de ces matériels en enlevant la TVA au niveau du code tarifaire. Donc, c'était à peu près cela. J'aime bien, encore une fois, participer à ces événements-là parce que ça me permet aussi de voir les actions qui se passent dans les pays qui sont membres de notre réseau. Je vais me permettre un petit commentaire féministe et éditorialiste. L'ASN, la participation aux travaux, puis c'est pas juste chez vous, c'est comme ça partout dans le monde, est encore fortement occupée par les hommes. Alors, mesdames, je sais que vous êtes majoritaires aujourd'hui autour de la table, autour du Zoom. Prenez votre place dans les travaux de normalisation. Voilà. Bien, là, c'est la promotion de la qualité. Donc, l'Association sénégalaise de normalisation organise le prix national de la qualité, dénommé Oscar national de la qualité. Et la particularité de ce prix, c'est que c'est un prix qui récompense les entreprises qui se sont le plus distinguées dans la mise en place d'une démarche qualité selon le référentiel ISO 9001. Et là, c'est un prix, notez bien Marie-Claude, qui est délivré par le président de la République lui-même. Et ce prix, il n'y a pas un prix, oui. C'est un prix qui est délivré par le président lui-même. C'est qui lui ici? Le président de la République. C'est lui, hein? Oui. Ouais. Donc, si vous regardez, il y a des prix qui ont été délivrés par l'ancien président de la République, Abdou Diouf, que vous connaissez bien. Oui, c'est ça, c'est lui, c'est M. Diouf. Oui, c'est lui, voilà. Ah, c'est ça. Tout à fait à droite, il y a l'ex-président Ouad qui avait délivré le prix de l'Oscar national de la qualité. Ici? Tout à fait en bas, au milieu, non, au milieu. Au milieu. Voilà, c'est cette... Non. Voilà. Donc, non. Voilà. Non. Déplacez-vous juste à gauche. Un petit peu à droite, au milieu. Au milieu, encore. Voilà. Donc, lui, c'est le président Ouad qui avait délivré le prix Oscar national de la qualité de l'époque. Donc, maintenant, en bas, il y a l'actuel président Macky Sall qui a délivré le prix Oscar national de la qualité. Donc, c'est un prix qui est délivré directement par le président de la République lui-même. Donc, c'est un prix extrêmement important. Et ça, il y a notre collègue Sangaré qui est chargé de coordonner le prix Oscar national de la qualité. Il n'est pas là. On ne le voit pas sur les photos. C'est l'homme derrière. Il est, normalement, il devait être occupé à plusieurs choses. Oui, j'imagine. OK, je pense que le temps avance. Sénabou, si tu es d'accord, rapidement, on va présenter la cellule Femmes, Jeunes et Normalisation du Sénégal et ensuite on passe aux questions. Ça te convient, Sénabou? OK. Alors, Hassan? Oui. Cette cellule est extrêmement importante, la cellule Femmes, Jeunes et Normalisation. Et là, c'est l'occasion vraiment de rendre hommage. De rendre hommage à Marie-Claude et le RMH.
Donc, je me permets de rendre hommage à Marie-Claude et le RNF par rapport à la cellule femmes, jeunes et normalisation du Sénégal. Elle a joué un rôle extrêmement important. En tout cas, on ne peut pas suffisamment la remercier par rapport à la réussite des actions en faveur de la normalisation dans les pays francophones. Donc, vraiment, c'est une femme magnifique par rapport à cela. Alors, pour l'ex slide. C'est un privilège de pouvoir travailler avec vous. Voilà. Donc, cette cellule, c'est quoi? C'est un guichet unique de service. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez avoir en étant de la cellule femmes, jeunes et normalisation. C'est également un outil de recrutement efficace pour favoriser l'adhésion de nouveaux adeptes de la normalisation. Donc, actuellement, nous avons une page web. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la cellule femmes, jeunes et normalisation. Une communauté de pratiques pour promouvoir la normalisation et son utilisation. Un lieu d'échange également sur les bonnes pratiques. Et comme vous le savez, la norme, si je devais donner une définition de la norme n'est rien d'autre qu'une tentative de réponse à la question suivante. Quelle est la meilleure façon de procéder? Et pour connaître ça, si vous êtes membre de la cellule Femmes, Jeunes et Normalisation du Sénégal, vous allez avoir les meilleures réponses. N'est-ce pas, Marie-Claude? Oui, tout à fait, parce que vous avez une équipe très, très dynamique. D'ailleurs, Mamadou, qui s'occupe de cette cellule, vient de me dire « Je suis là, Marie-Claude ». Alors, je ne peux pas médire sur Mamadou. Il m'écoute. Je le salue. Effectivement, vous avez une cellule très, très active. Puis, il faut dire que vous ne le voyez pas, mais il y a Stéphane Dion qui est derrière cet ambitieux projet. Et c'est lui vraiment qui accompagne tout le monde en communication. Donc, je le salue. Et puis, il vient de mettre dans le chat la page Facebook pour vous abonner. Si vous tapez dans votre moteur de recherche « Je suis la norme Sénégal », vous allez tomber directement sur la page de votre cellule. Vous vous y inscrivez dans la page d'inscription ou sur Facebook, c'est selon. C'est gratuit. Et ça vous permet d'avoir accès à toutes les activités dynamiques de l'ASN. Tout à fait. Alors, pour intégrer une communauté pratique en faveur de la normalisation. Oui, allez, bon, c'est pratiquement le dernier slide. Hein? Oui, excuse-moi, je recule. Voyons. Ah, voilà. Alors là, pour devenir membre, vous pouvez utiliser la page Internet, la page Facebook. Donc, nous sommes présents également sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc, la cellule femmes, jeunes et normalisation. Ou bien même si vous tapez directement « je suis la norme sénégal.org », donc vous accédez directement à la page cellule femmes, jeunes et normalisation où vous avez toutes les informations en ce qui concerne nos activités. Et cette cellule, je le rappelle, est coordonnée par M. Sangaré. Donc, il y a le pôle qui s'occupe des femmes, donc, qui est dirigé par Mme Daïma Guedjo, et également la partie jeune entrepreneur hein, qui est dirigée par mon collègue M. Claude Roger-Dion. Donc, toutes les informations dont vous avez besoin pour participer activement aux travaux de normalisation, que ce soit au niveau national ou international, grâce à l'aide du RNF, vous pouvez avoir toutes les informations là-dessus. Vous pouvez avoir également la possibilité d'échanger avec Marie-Claude, qui est extrêmement réactif par rapport à l'ensemble de vos sollicitations en ce qui concerne la normalisation dans les pays francophones. On a un petit commentaire dans le chat, puis vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est une cellule exclusivement réservée aux femmes. Il faut savoir qu'on ne fait aucune discrimination au RNF. Si vous êtes un homme vieux, on vous prend. Si vous êtes une femme vieille, on vous prend. Alors, peu importe votre sexe et votre âge, vous pouvez vous abonner à la cellule Femmes, Jeunes et Normalisation. C'est terminé pour nous, Sénabou. Alors, on te remet la parole à toi de gérer les questions comme tu le souhaites. Merci beaucoup. En fait, on est parce qu'on a commencé 15 minutes
en retard, donc on est dans le temps. Est-ce que vous voulez, Monsieur Meng, Marie-Claude, dire quelques mots avant qu'on ne passe aux remerciements? Moi, ça va, OK. Donc, Madame Sam, je vais passer la parole à Madame Aminata Diop Sam pour le mot de la fin. Tenez-vous, est-ce que Marie-Claire peut arrêter le partage, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr. Voilà. Voilà, je vous remercie. C'est de vous, Amika. Je voudrais par la même occasion remercier Madame Marie-Claude pour la pertinence et M. Hassan Meng également pour la pertinence donc, des thématiques abordées. Moi et je pense à l'instar des autres, nous sommes enrichis intellectuellement. Seynou me disait tout à l'heure que vous étiez très silencieux. Je lui dis que je suis profane à la matière et c'est un domaine très, très technique. Je ne voudrais pas m'aventurer dans ce domaine, mais j'ai beaucoup appris. Et remercier également Madame Docteur Anne-Laure Mbotch, qui est spécialisée en la matière et qui nous a enrichi également à travers son intervention. Remercier l'ensemble des entrepreneurs, le personnel, le staff, et dire à tout le monde que c'est déjà une première phase. Il reste une autre formation qui sera délivrée aux entrepreneurs. Et je pense qu'à l'issue de cette formation, nous allons clôturer effectivement l'ensemble des activités de la couverture d'entreprise et nous acheminer directement vers la préparation de la sortie de cette promotion. Et à l'attention des entrepreneurs, les conseillers vous reviendront effectivement pour un plan de travail et une organisation pour que la cérémonie de sortie puisse se dérouler parfaitement et dans les règles. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde, remercier personnellement et très, très fortement Seynabou Amika pour déjà la rigueur professionnelle, mais également son implication personnelle à travers tous ces séminaires. Nous avons commencé avec Seynabou, avec le lancement, et là, nous nous acheminons vers la formation avec également Seynabou. Et à travers ma voix, recevez les remerciements de toute l'équipe hein, du FODEM et de la CPM, les remerciements du président de la couveuse qui vient de m'écrire juste pour me dire qu'il aurait voulu assister à cette importante séance, mais je pense qu'avec la prochaine formation, il sera avec vous. En tout cas, merci à tout le monde, merci à tous, merci aux entrepreneurs. J'ai été très, très ravie de vous retrouver. Je pense qu'on pourra échanger cette fois-ci en présentiel dans nos locaux. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame Samb. Je vais prendre quelques minutes pour remercier le formidable duo, un duo de choc qu'on a eu ce matin pour nous parler des normes et qui ont réussi vraiment à démystifier cette notion de normes, de ISO, de plein de choses. Donc, bravo Marie-Claude, bravo Monsieur Meng. Ça a été une riche expérience, vraiment. Je remercie aussi Dr Mbotch, Monsieur Ndiaye, ainsi que Monsieur Sangaré. Je remercie très sincèrement nos chers entrepreneurs, mais aussi toute l'équipe de la CPM. Je remercie Stéphane des communications qui a fait un excellent travail, tout comme Cyré. Bravo Cyré et joyeux anniversaire, c'est sa fête aujourd'hui à Cyré. Joyeux anniversaire. Et on ne saurait terminer sans remercier le bailleur de fonds qui nous a permis d'avoir cet ajout à notre portefeuille de formation des entrepreneurs de la CPM, qui est le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, qui a financé cette activité. Donc, on est très, très reconnaissant auprès de notre principal bailleur de fonds, l'Association internationale des maires francophones. Merci beaucoup à la ville de Dakar, à la ville de Montréal, à l'équipe de la couveuse, une formidable équipe compétente, professionnelle. Et je suis très, très fière de participer à ce projet, puis dire aux entrepreneurs qu'on va continuer à vous outiller et n'hésitez pas à vous tourner vers l'Association sénégalaise de normalisation qui pourra vous accompagner parce que, comme on l'a dit, on participe à l'édification d'un nouveau modèle d'entrepreneur. Donc, un entrepreneur
qui est compétent, qui est formé, qui est outillé, et pour gérer une entreprise qui est pérenne et durable, il faut avoir toutes les compétences, et je pense que M. Mbeng l'a dit, ils sont ouverts à travailler avec vous. Donc, merci beaucoup de votre présence. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. On a déjà 8 nouvelles inscriptions à la cellule, alors allez-y. Je me suis inscrite la première. Excellent. Il faut s'inscrire. Inscrivez-vous tous à la cellule Femmes, Jeunes et Normalisation du Sénégal. Madame Sam est une excellente ambassadrice de l'égalité des femmes et des hommes. Donc, je ne suis pas surprise qu'elle soit parmi les premières. Merci et bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.